Qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelque chose. Quoi? Hey! Mais c'est qui t'a dit où c'était, là? C'est le nom, hein? Non. Mais c'est qui d'abord? C'est toi. C'est moi. Hey, même sous la torture, là, je t'aurais jamais avoué ça. Tu me l'as dit pendant que tu dormais. Comment ça? Tu parles en dormant. Depuis que tu dors dans ma chambre, j'ai appris plein d'affaires intéressantes. Ben, quel genre d'affaires? Des petits secrets. Non. Tu vois? Essayez d'oublier mes petits secrets. Nathan, là, lâche ta balle ou bien trouve-toi une autre famille, OK? Puis comment t'as fait pour la retrouver, là? C'est mon petit secret. Tu vas voir, après 10 minutes, cette balle-là va te rendre fou. Ça s'en vient tranquillement. Non, Nathan, là, arrête ça, c'est vrai que c'est agaçant. On n'entend plus rien. Les piles sont presque mortes. Ouais, ben va donc les achever dans ta chambre. Vous êtes pas mal douillettes des oreilles. Une chance que je joue pas du heavy metal, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu vas être dans un groupe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, ça, tu sais ça, toi? Simon me l'a dit. Hey, il garde ça un secret, lui. J'ai dit hier soir. Non, c'est pas de sa faute. Il parle en dormant. Ah oui? Depuis quand? Ben là, il faisait ça quand il était petit, là. Faut croire que ça lui a repris. Puis de quoi il parle quand il dort? Ben, ça dépend. L'autre nuit, il a parlé de toi. Non, non, c'est bon. Là, je veux même pas savoir. Merci. En tout cas, le message est passé. Hein? Si on a un secret, faut pas le dire à Simon. Ouais, ben, pour moi, il est trop tard. Dis-moi non, Manolo, c'est quoi ton groupe? Ouais, c'est un groupe. Ben, ça, j'avais deviné, là. Ben, j'ai passé une audition hier, puis ils m'ont pris. Ah, ben, bravo. Ah, ben, merci. Ben, comment tu vas faire pour t'organiser? T'as même pas de batterie. Les gars m'ont dit qu'il y en avait une. Ah, OK. Ça s'appelle comment, le groupe? Atomic Destruction. Ah oui, j'y connais, ces gars-là sont en secondaire 1. Quoi, ils ont pris un petit flow comme toi? Bien, ils ont essayé un gars de secondaire 2, puis ils m'ont dit que j'étais 100 fois meilleur que lui. Ça va être beau, hein? En tout cas, là, si vous pratiquez ici, moi, je déménage dans le cabanon. Ce serait une bonne affaire, ça, hein? Bon, mais Nathan, va te brosser les dents, sinon tu vas être en retard. OK. Ça vaut pour toi aussi, Manolo, hein? Max, j'aurais quelque chose à te demander. Oui, vas-y. Il y a un petit problème. J'ai dit au gars que j'avais une batterie. Mais j'étais obligé, sans ça, il me prenait pas. Hey, Manolo, je peux pas t'aider, j'en ai pas de batterie. Je sais, mais Claude, lui, il en avait une. Puis il l'a vendu à ses chums. Ouais, puis? Ben, s'il pouvait l'emprunter au gars qui l'a vendu, moi, je pourrais l'utiliser pour un bout. Le temps d'en avoir une à moi. Cool. Bonne idée, ça, Mandy. Jamais de la vie. Je veux dire, j'aime mieux pas. Ça aurait plus de chances de marcher si c'était toi qui demandais. Ouais, ça n'a pas de logique, ça. Pourquoi j'ai demandé d'emprunter une batterie? Je joue de la guitare. Mais quand même, t'en joues un peu de la batterie? Ouais, un peu. Mais n'empêche que je comprends pas. Pourquoi tu ne demandes pas à Claude? Il est super fin. Peut-être avec toi, mais moi, c'est mon beau-père qui est toujours après moi. Ouais, t'exagères. Regarde, tantôt, il était super correct, là. Oh, mais quand je demande quelque chose, c'est une autre histoire. C'est soit non, soit peut-être, soit je vais y penser. Parce que moi, je pense que t'as rien à perdre d'y demander. T'as pas l'air à comprendre, Max. Je veux rien y demander, OK? Si je dois quelque chose après, je vais te prier pour être gentil avec lui. Puis, de toute façon, ça m'étonnerait bien gros qu'il me dise ouais à moi. Mais s'il pense que la batterie, c'est pour toi, je suis sûr qu'il va rappeler le gars à qui il l'a vendu. À ses yeux, t'es un vrai musicien. Come on, Max! Ouais. Ben, mettons que j'essaye. Ouais. Mettons que ça marche. Je veux avoir le droit de prendre la batterie quand je veux. Sauf pendant nos pratiques. J'accepte. La semaine prochaine? Oh, mais là, ça vient vite en titille. Oh, mais je sais! Je devais partir l'été prochain, mais là, il y a une fille qui s'est décidée puis ils m'ont offert sa place. Ben, je peux pas le croire, le Max s'en va pour le Béguin. Non, le Bénin, Marianne, le Bénin. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest entre le Togo et le Nigeria. Oh, moi, Mag, on va s'ennuyer. Oh, mais moi aussi.
Être bénévole pour Coopérance sans frontières, c'est le rêve de ma vie! J'en viens pas, là, tu sais. Tu t'en vas 3 mois te faire brûler au soleil avec les scorpions pis les panthères noirs, là, pis ça te fait triper. Oh, inquiète-toi pas, on va être très bien encadrés. Puis en plus, là, le village où je m'en vais, c'est à 50 km de Cotonou, pis Cotonou, c'est pas un trou, c'est une ville de 500 000 habitants. OK, pis papa, qu'est-ce qu'il en pense? Ouais. Ben, ça, c'est le problème numéro un, là. J'en ai déjà parlé, puis il était d'accord en principe, mais là, pas aussi vite, puis surtout pas en plein milieu de ma session. Ouais, ça sera pas évident. Hein? Papa aimerait mieux qu'on attrape le scorbut que de nous voir lâcher l'école. Ouais, je sais. Mais je vais la reprendre, ma session, cet été, là. Oh, Marianne, il faut qu'il dise oui, il faut qu'il signe le formulaire d'autorisation parentale. Oh, je sais, il m'en dit quand il est au téléphone. Hein? Comme ça, s'il est occupé à autre chose, ben il va signer sans faire attention. Mais franchement, Marianne, c'est pas mon genre du tout, là. Non, je suis capable de... lui demander en le regardant dans le blanc des yeux. Ouais, puis il va te dire non en te regardant dans le blanc des yeux. On verra. Mais il y a Nathan qui m'inquiète un peu aussi. Tu sais, ça va être un choc pour lui, là. C'est long 3 mois pour un petit gars de 8 ans. Ouais, c'est vrai, ça. Mm. À mon âge aussi. En tout cas, je vais y expliquer, il va comprendre. En attendant, pas un mot, hein. Je veux pas qu'il l'apprenne de la bouche de quelqu'un d'autre. Mm. Promis. Promis. Oh non! Magali part pour 3 mois. Magali part pour 3 mois. Magali part pour 3 mois. Ouais, comment je vais faire? Ben, qu'est-ce qu'il y a, Simon? Ben, Mag, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose d'un peu spécial, hein? Ben, c'est que depuis que je partage ma chambre avec Nathan... ben, il paraît que... ben, j'ai un petit problème de... comment je pourrais te dire ça? Oui, c'est parce que Simon a des petits problèmes de stoulage nocturne. Ben comique. Ben comique, hein? Et qu'elle est innocente, elle, des fois. Je sais plus si c'est une bonne idée, là. Tu sais, moi, j'haïs ça mentir. C'est pour me rendre service. Ben oui, pour te rendre service. Si Claude trouve ça bizarre, je vais avoir l'air de quoi, moi? Ça rendra pas compte. T'as le droit d'avoir le goût de jouer de la batterie. Hey, ça va bien. Ça va bien aller. T'es un vrai chum, Max. Je le sais, ouais. Hey, salut! T'as l'air surpris de me voir? Non, 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 je suis pas surpris. Juste content de te voir. Yeah! Ah, ça fait toujours ça de prix, hein? Ça va pas? Oh! Disons que j'ai passé la journée à m'obstiner avec un patron borné, là. Ça use la bonne humeur, mon gars. Oui, je comprends. Mais je peux-tu te demander quelque chose pareil? Oui, vas-y, quoi, t'as un problème? Non, ben non, ben non, j'ai pas de problème, moi. Ben, ben oui, là, j'ai peut-être un petit problème, là. Oui. J'ai un petit problème de batterie. Ben, quoi, toi aussi, c'est contagieux, hein? Non, 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 Max, s'il vous plaît, arrête, merci. Excuse-moi. Tu sais, ta vieille batterie, là? Ah oui, je l'ai plus, je l'ai vendue à un copain. Oui, non, je sais que tu l'as vendue, mais je voulais dire, est-ce qu'il s'en sert beaucoup? Oh, je sais pas, je pense pas, pourquoi? Ben, je me demandais si tu pouvais lui emprunter un petit bout de temps. Je me cherche une batterie de ce temps-ci. Pas pour jouer dans le métro, j'espère. Hein? Ça serait meilleur, toi, batteur dans le métro. Non, ça n'a pas d'allure. Ça ferait fuir tes clients au pas de course. C'est complètement ridicule. Non, c'est complètement... Ben oui, c'est pas, ouais. Ça, c'est pas pour ça. Je voudrais m'accompagner à la guitare. Ben là, je veux pas jouer les deux instruments en même temps, là. C'est une nouvelle méthode. C'est que tu joues quelques lignes mélodiques à la guitare, puis après ça, tu sautes sa batterie, puis là, tu fais le rythme pour l'autre couplet. Et comment ça s'appelle, ta nouvelle méthode? Voyons, j'ai laissé le bout de la langue. C'est alterno, guitare, batterie, quelque chose, là. Ça a l'air intéressant. Ouais, mais je l'ai plus à batterie, je l'ai vendu, hein. Je sais que tu l'as vendu, mais si tu l'as... Tu sais, je veux dire, Manolo, je veux dire, moi, je pourrais m'en servir, peut-être... Non, non, Max, arrête de gaspiller ta salive, là, hein. Si Manolo veut récupérer ma vieille batterie, il va venir me le demander. Oh, c'est fort. Je savais que je passerais pas le test. Mais là, je suis pas né de la dernière pluie, hein? C'est parce que Manolo osait pas venir te le demander en personne. Mais voyons, non, on touche pas le bonhomme 7 heures. Il peut me parler dans le blanc des yeux. J'ai jamais bouffé personne. C'est ça que j'ai dit. Mais là, c'est de quoi me demander. Il arrête de passer par 4 chemins. J'aime ça quand on se parle simplement et franchement. Tu l'avais dit que c'était pas une bonne idée? Je comprends, j'ai compris, là. Ça va être correct cette fois-ci. Savoirer?
Ah, oh, ben là, foiré, foiré, c'est un grand mot, ça. Ça... oui, ça a foiré. Il a dit non même à toi. Oui, oh, Manolo, il a deviné que c'était pour toi. Mais là, c'est sûr que ça marchera jamais. Moi, je continue à penser que tu devrais demander en personne. Mais qu'est-ce que je vais faire, pas de batterie? Les Atomic Destruction vont m'acheter à la porte, c'est certain. Ben là, je sais pas, moi, Manolo, là, je peux plus rien faire pour toi, moi. Oh. Mars, lâche la sapristi de balle, OK? Et là, je t'ai mis des céréales, là, puis il y a du thon en bois, fait, il est dans l'eau, c'est moins gras. Il y a aussi un pot de beurre de pin, puis il y a des tomates en conserve, puis de la soupe en sachet. Regarde, je t'ai mis aussi des... Ah, non, Marianne, arrête. J'ai pas besoin de tout ça, voyons donc. Là-bas, là, tu vas m'en remercier. Écoute, j'ai le droit à 20 kilos de bagages. Si j'amène ta boîte, là, il faut que je coupe tout le reste. Oui, mais qu'est-ce que tu vas manger là-bas d'abord? Mais la nourriture locale! Tu sais que la vie est possible sans un fast-food à 500 km, hein? Mm-hmm. Mais arrange-toi pas là, pour attraper une maladie tropicale. On reçoit tous les vaccins qu'il faut avant de partir. T'es rassurée, là? En tout cas, là, viens pas te plaindre si tu meurs de faim. Mais je pourrais pas me plaindre! Je vais être morte! De toute façon, c'est pas sûr que je parte. J'ai pas trouvé courage de parler à papa encore. Mais là, qu'est-ce que t'attends? Mais le bon moment! Faut que je sois psychologue un peu. Si j'y en parle pendant qu'il me mauvais poil, il va dire non sans réfléchir. Puis Nathan ne sait pas lui non plus. Mais non. J'aime mieux en parler à papa avant d'en parler à Max et à Nathan. T'imagines, s'il apprend ça de la bouche de quelqu'un d'autre, ça ne tentera pas trop de signer le formulaire. Mmh. Mais hein? Oh, juste une petite boîte de sardines. Ah, ça pèse rien. Puis si tu veux pas la manger, ben t'as gardera en souvenir d'ici. Si jamais tu t'ennuies de nous autres. Mmh. En tout cas, là, moi je vais m'ennuyer de toi, Mag. Non. Moi aussi. Merci. Salut! Ah! Allô! Ça a bien été? Ah, pas pire, pas pire. C'est sûr qu'après un match de hockey, il y a tout le temps bien du monde dans le métro, mais la soirée vient de leur coûter 150$. Ils sont pas trop généreux, tu sais. Wow! Ben là, tu te prends d'avance. Relax, Magali, tu pars juste cet été. Ben, ça a un petit peu changé, Max. J'ai reçu une lettre des Jeunes Coopérants sans frontières aujourd'hui, me disant qu'il y a une fille qui peut plus partir, puis j'ai accepté de prendre sa place. Ah, ça veut dire que tu vas partir plus tôt? Ben, si mon père est d'accord, dans une semaine. Ouais, c'est vite. Mais je vais aller construire une école puis un puits, là. Ça fait tellement d'années que je rêve de faire ça, tu comprends? Oui, je comprends, je comprends. Je suis super content pour toi, Magali, là. Mais moi, là-dedans? Ah, inquiète-toi pas. Je vais demander à Claude puis Victoria, tu vas pouvoir rester ici. Je suis sûr que c'est pas ça, le problème, là. C'est nous deux. Mais ça change rien, Max. Mais ça change qu'on se verra pas pendant 3 mois. Qu'est-ce que je vais faire, moi, sans toi? Oh. Tu vas continuer à écrire des bonnes tunes. Tu vas me les envoyer par la poste, hein? Je t'oublierai pas. Puis notre voyage en Inde? Mais là, on le reprendra plus tard. C'est pas pareil, je m'en vais aider des gens. En tout cas, moi, je te garantis que tu m'aides pas fort fort. Max, où est-ce que tu vas, là? Regarde, je vais aller prendre une petite bière. Je vais essayer de digérer tout ça. Max, attends, mais... Oh, il comprend rien! $200? Ben voyons, non, Michel, toi, je t'allais vendre 150. Ben oui, je sais, oui. L'envie m'a repris, qu'est-ce que je te dise, les choses qui arrivent? Papa, j'ai quelque chose à te faire signer. Ah, c'est quoi? Non, même 175, c'est trop cher. Je suis prêt à te payer le prix que je te l'ai vendu. C'est pour les jeunes coopérants. Ah, c'est le fun. Écoute bien, là, tu joues plus, c'est toi-même qui me l'as dit. Je partirai 3 mois au Bénin avec eux. Ah, excellent, où on signe? Non, je parle à ma fille, là. Écoute, là, je suis même prêt à aller te la chercher. Ici? OK. Oh, papa, t'as pas compris, là, je partirai 3 mois en Afrique. Hein? Attends un peu, Michel, là, je te rappelle, il y a une urgence. Quoi l'Afrique? Là, depuis quand, là? Mais tu te souviens, je t'en ai parlé des Jeunes Coopérants sans frontières. Ah, mais c'était pas supposé être l'an prochain, ça, là? Non, l'été prochain. Mais là, je remplacerai une fille qui s'est désistée. Je partirai 3 mois au Bénin. Oh, papa, il faut que tu dises oui. C'est le rêve de ma vie. Mais une minute, là. Tu partirais quand? La semaine prochaine. La semaine prochaine, là, dans ces jours. Mm. Mais voyons, Magali, c'est bien trop vite. Ta session, elle. Non, mais ma session, je la reprendrai cet été, là. Puis, de toute
toute façon, c'est quoi une session de cégep à comparer aux besoins de ces gens-là? Frère, Magali, t'as rendu compte de ce que tu me demandes? C'est pas simple. Le risque de maladie... Non, on reçoit tous les vaccins qu'il faut avant de partir. Puis là-bas, il y a tous les antibiotiques possibles et imaginables. Ouais. Là, il va y avoir un grand vide dans la maison, hein? Vous allez survivre. Je suis pas inquiète pour vous. Ah, ça pour ça. Papa, il y a 150 jeunes qui ont écrit une lettre pour dire pourquoi ils voulaient être bénévoles pour Coopérants sans frontières, puis c'est moi qui ont rappelé en premier. Tu ressembles à ta mère. C'est bien ma fille, ça. Oh. Je suis fière de toi, je te dis. Mais c'est oui. Mais là, je vais glisser un petit mot à Victoria, puis... OK, je comprends, mais si tu peux te dépêcher, ce serait bien, parce qu'à cause des vaccins et des formalités, il faut que je l'envoie demain matin. Pouvez-vous même dire pourquoi vous vous y prenez toujours à dernière minute? Quand je te dis, toi, t'es pas mieux que Simon et Marianne, hein? Je viens de dire, Simon. Ah, OK, ben, en tout cas, moi, j'ai rien dit. J'ai pas dormi de la nuit, mais au moins, je t'ai pas stoulé à Nathan. Je te dis, moi, je suis toujours le dernier informé, hein, comme d'habitude. Mais non, il y a juste Simon qui est au courant, là. Ah oh ouais, puis Marianne aussi. Puis Max. Ben c'est ça que je disais. Mais en tout cas, t'es pas le dernier. Inquiète-toi pas, Simon. Je vais le dire à Nathan dès aujourd'hui. Ah, si papa signe le consentement parental, évidemment. Merci. Bon, mais je pense que je vais aller voir mon gros nounours qui dort en bas. Il faut qu'on se parle. Bon, mais toi, Simon, veux-tu déjeuner? Veux-tu que je te parte des toasts? Ouais, ouais, mais... On va mettre la balle dans le grille-pain, comme ça on va s'en débarrasser. Bien dormi? Oui, très bien dormi, merci. Bien ici. Écoute, Maxime... Non, c'est moi qui parle en premier. J'ai pris la nuit pour réfléchir. Puis je voulais dire que je respecte ta décision. Puis je l'accepte. Je sais que c'est pas facile pour toi. Je t'aime, Magali. Comprends-tu? Je t'aime. Puis si je refusais que tu partes, ce serait pas une preuve d'amour, hein? Ce serait une preuve d'égoïsme. Je suis tellement contente que tu comprennes. Moi, je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois bien. Bon, là, il a tellement l'air de t'emballer. Ah oui, tu sais pas comment. M'en doute un petit peu. Je te promets que je vais m'ennuyer. OK. Je veux que tu me promettes autre chose aussi. Quoi? Tous les jours, pense à moi. Tous les jours. Tous les jours, je pense à toi. Tous les jours. Comme ça, ben... Les trois mois vont passer un petit peu plus vite. Promis. C'est romantique! Salut! Allez. Oh, ça n'a pas l'air à filer fort. Non. Et il s'est passé quelque chose? Ouais. Il a dû arriver quelque chose, là. Atomic Destruction, c'est fini. Ah, le groupe, ça sépare? Non, c'est moi, là. C'est fini. Les gars se sont rendus compte que j'étais plus jeune qu'eux, puis ils m'ont jeté à la porte. Ah, je suis désolé, mais... Ouais, c'est ça. Non, je le pense vraiment, Manolo. Il y a un batteur, pas de batterie, puis pas de groupe. Je te dis que je fais dur. Voyons donc, il va y en avoir d'autres groupes. Hein. Un jour, tu vas former ton propre groupe, tu vas choisir tes musiciens. Non, mais en attendant, je peux même pas pratiquer. Comment je vais faire pour m'améliorer? T'as peur d'avoir une solution, hein? Même si je mets de côté toutes les allocations que mon père me donne, pour m'acheter une batterie usagée, ça va me prendre 2 ans minimum. 2 ans! Ben, autrement dit, une éternité, hein? Mais tu sais, Manolo, quand Max est venu me parler à propos de la nouvelle batterie, hein? Tu sais que c'était moi. C'est correct qu'on peut oublier ça. Oui, mais si t'étais venu me le demander toi-même, là... Quoi? Qu'est-ce qui serait arrivé? Il serait arrivé... Tu serais arrivé ça? Oh, c'était ça, ta vieille batterie? Exact. C'est ton chum qui se l'a prêté? Ah non, non, disons que j'ai tordu un bras, là, mais il me l'a vendu. C'est à toi. Tu me niaises, là? Mais non, jamais de la vie. Il t'en mange de la musique, Manolo, où je me dis, il va en écouter moins, puis il va en jouer un peu plus.
Claude, je te mens pas. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie, là. En tant que beau-père, t'es flash full king. Ah, merci mille fois, merci. Ah, faut pas virer fou quand même, hein. C'est cool. Es-tu à ton goût? Ouais, pas si mal, là, mais... Là, ça fait pas l'affaire, je rappelle mon ami Michel, bon, là, il revend, hein? Non, ouais. Eh, ben correct, hein. Merci ben gros, Claude. Toi aussi, t'es pas mal correct. Au début, j'avais pensé de l'offrir à Max, mais... après ça, j'ai pensé à toi. Ouais, j'ai compris. Veux-tu l'essayer? Officiel. Hey! C'est ta vieille batterie! Ouais, je l'ai acheté pour Manolo maintenant, c'est à lui. Ouais, tu te sentais généreux? Pardon? Tu te sentais généreux? Ouais, mettons, ouais. Vas-tu être aussi généreux avec moi? Hein? Vas-tu être aussi généreux avec moi? Manolo, Manolo! Arrête deux minutes, là. On aimerait ça se parler. Ouais, pas de problème. Pour ton stage au Bénin, la réponse, c'est oui. Mais avant de signer ton formulaire, j'ai préparé un autre papier pour toi. Moi, Magali L'Espérance, m'engage auprès de mon père, Claude L'Espérance, à terminer ma session de cégep au cours de l'été. Ouais. Je vais signer ton formulaire, mais tu vas signer mon papier. Inquiète-toi pas, je vais le signer. Tu changeras jamais, hein? Ben là, il n'y a pas juste les batteries et les voyages dans la vie, quand même. Hein? Ce que je voulais te dire, Nathan, c'est que je pars en Afrique dans une semaine. Pas pour toujours? Non. Pour 3 mois, je vais être là l'été. Inquiète-toi pas, ça va passer vite. Je vais venir avec toi. Tu peux pas. T'as de l'école? Toi aussi? Oui. Oui, mais moi, c'est plus facile de reprendre mon année. Dis-toi, imagine, là, si tu reprends ton année, tu vas perdre tous tes amis. Ouais, c'est vrai. D'abord, qui est-ce qui va mener mes histoires le soir? Ah, je suis sûre que Marianne va faire une super remplaçante. Wesh! Je veux que mener des histoires d'amour! Non, mais c'est toi qui vas choisir tes histoires. C'est toi le boss. Super! Tu vas m'envoyer des cartes postales, hein? Ben, je peux peut-être essayer d'en trouver à Cotonou. Cotonou, c'est une grande ville, mais moi, dans le petit village où je vais travailler, je suis pas sûre qu'il y ait des marchands de cartes postales. D'abord, c'est moi qui vais t'en envoyer. Ah, pourquoi pas? Ben oui, comme ça, tu n'oublieras pas comment c'est chez nous. Je vais t'en envoyer une du Stade Olympique, puis un autre du Pont-Jean-Cartier. Ah oui, génial. Puis oublie pas l'Oratoire Saint-Joseph. Promis. Oh, je te dis, toi, si on t'avait pas, il faudrait t'inventer. Oh mon Dieu. T'as encore ta super balle! Je te dis que je vais peut-être m'ennuyer de toi, mais je m'ennuierai certainement pas d'elle. Claude, il est vraiment correct d'avoir dit oui à Magali. Sûr qu'en Afrique, tout le monde va tomber en amour avec Magali. Mais ici, tout le monde va s'ennuyer d'elle, par exemple.